Bon, actuellement, c'est Mathurin. Nous sommes présentement à Agban. Voilà, nous sommes restés là, regardez derrière. Nous sommes à Agban ici. Nous sommes assis là. On attend les instructions. Voilà, si ils vont manger frais, on mange frais. Il y a qui imagine aussi, on va voir. Il n'y a pas pension. Zozo, zozo, on est calé. Zozo, zozo, on est calé. On est calé, calé, zozo, zozo. Zozo, zozo, on est calé. Ça nous mène aujourd'hui là. Regarde ici, il y a des gens devant, faut te calmer. Oh, il a fait mon soutien à toi, venir là. Écoutez-le. Il faut tout servir d'autres. Oui. Autre public là. Tout va à l'autre public là. C'est eux qui gèrent. Ouais. Donc ils sont de faire le travail. Donc qu'est-ce que nous on fait? On reste responsable. On reste carré. Et puis tranquillement. Nous on est déjà. Le commandant est en train de nous donner des directives. Le capitaine. Le capitaine, c'est le commandant. Il est en train de nous donner des directives. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Ils vont appeler des gens. Ils vont nous recevoir. C'est ce qu'on cherche, non? C'est ce qu'on cherche. Mais pourquoi est-ce qu'on doit rester calme? C'est bien. David est parlé. David est parlé.
C'est pas parlable. J'ai dit, Pico t'a dit quoi? Pico, Pico. Non, il dit que il y a chose à. Comment s'appelle le ministre? On était parti là. Oh, ouais. Il a appelé hier. Ouais, ouais, il nous a dit ça. Il est allé là-bas, d'autres gueules qui l'a dit que mon père va partir. Il n'a pas allé. Je ne pas casser le moral. Le général Poncet, plein temps, plein pouvoir du premier BCP. Lui-même. Mais respect. Aujourd'hui, ça va chauffer. Saloma. Enfin, l'homme de l'année qui a parlé au général Mabli matin là, qui lui a dit la pension ou rien. Merci. Zila ya Kamule.
Voilà le YEM ici. Voilà le YEM. Les gars, soyez solidaires. Actuellement, nous sommes pourchassés par les forces de l'ordre de la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé pendant 20 ans parce que nous revendiquons notre pension. Et voilà pourquoi aujourd'hui. Il faut parler. Oui, c'est parce qu'on revendique notre droit aujourd'hui que nous sommes pourchassés. Nous avons travaillé pour ce pays. Nous avons travaillé pour la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a eu besoin de nous, nous avons répondu favorable. Aujourd'hui, on réclame ce qui nous revient des droits et les gens refusent de nous donner ce qui nous revient des droits. Et pour cela, on nous chasse, on nous jette des lacrymogènes, on nous maltraite. Merci. Arrête de bêtises.